pas du numéro, Stéphane. Il est à côté de moi. Serre-moi le bras quand tu vas rire. Oh! Ah! Ouais. Hey, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ouais! Plus fort que ça, ça va bien? Ouais! Yeah. Hey, pas facile de rentrer ici. Trou de cul à la porte, il voulait pas me laisser rentrer. Il dit, comment? Il dit, non, tu rentres pas habillé de même. Ouais. Je l'habite, fais pas le moine, tu sais. Ah, fuck. C'est un épais, Stéphane. Des jokes de graines, c'est tout le temps drôle. Pour vrai, là, j'ai tellement eu de la misère dans ce numéro-là, là. Fait que, finalement, je dis, laisse-moi rentrer un peu. Il dit, non, c'est parce que ça refoule. C'était trop de cul, tu sais. Puis, fait que là, je dis, laisse-moi rentrer un peu. Laisse-moi au moins rentrer ma tête, tu sais. Ouais, le Philippe, il est capable déjà. Il dit, OK, mais fais ça vite. Je suis rentré à la tête, puis j'ai jeté un œil, puis en fin de compte, j'en ai profité de me faufiler vite, puis je suis rentré jusqu'au bout, finalement, tu sais. Puis, ben là, il me voyait bien, il me promenait, tu sais, puis à un moment donné, j'étais content de vous retrouver toute la gang, tu sais. C'est le fun de soi, là, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Good job, sérieux, c'est un premier jet, là. Vous dites enfin, quelqu'un qui a des couilles, tu sais, qui ouais, je te remercie. J'ai surtout de la veine, je te dirais, puis... Ouais, tête de gland aussi. Je sais que ça a l'air toute rose, ma vie de même, mais... Non, c'est pas rose. Fais un bien travail, là, c'est fou. C'est pas évident, ma vie, il y a des bouts, c'est que je capote, OK? Croiser le regard de Stéphane, c'est un moment difficile pour moi. Croiser le regard de Stéphane dans un pénis de 7 pieds, très difficile pour moi. Moi, j'ai été évincé par mon propriétaire. Mon propriétaire, il vient de faire la transformation, tu sais. Fait que moi, je me retrouve dans la rue, hostique, tout seul, avec mes deux gosses. Oh. Mais moi, je fais quoi? Je me réinvente? Ouais. C'est pas évident de se réinventer, t'sais. T'as pas le choix de te réinventer? Pas le choix, man. Non! Fait que je fais des spectacles. Moi, je suis bon dans les imitations. Comme ça, c'est quoi? Un micro-pénis. Ah, si oui. Ouais. Pas évident, celle-là. J'en ai des plus faciles. Ouais. Là, je pars en tournée avec Madame Dion. On fait la tournée des hôpitaux pour les enfants malades. Puis la tournée s'appelle Pénicilline. Ah, oh, c'est tellement important. C'est tellement un beau geste. Je trouvais ça très drôle. Je me suis comme mis dans le rôle de la personne qui écoute le pénis puis qui essaie de comprendre la psychologie. Ensuite de ça, attends, j'en ai une autre.